Nous sommes dans la plus belle ville de France, Florac, enfin le plus beau village, disons, sur la voie verte, donc qui est toute neuve. Comme ça, tout le monde peut faire du vélo, pousser son déambulateur et tout ça, c'est chouette. C'est un départ de randonnée pour moi, puisque la voie verte, elle se continue sur 49 km. Le plus beau, c'est quand je suis sur une ligne de crête ou sur un sommet et que je vois le paysage autour, toutes les collines des Cévennes. Quand je suis à Finiels, enfin au pic de Finiels, on voit aussi l'Ardèche, on a une vue des deux côtés, c'est génial, quoi. Moi, j'aime beaucoup les vues, les paysages, quoi. Selon vous, quel est le meilleur moyen d'être en contact avec la nature ? Le marché. Je vois que ça. De marcher, effectivement aussi de s'asseoir, d'écouter, de regarder, de sentir. Justement à nos côtés, et on va accueillir celui qui occupe la tête à l'issue de cette première spéciale, deuxième du rallye des Carrés, on rappelle, c'est Mickaël René. Et comment ça s'est passé, Kevin, pour vous? Ça s'est bien passé dans l'ensemble, on a fait deux erreurs sur la... déjà d'entrée deux erreurs. On va se concentrer, on va essayer de faire une belle boucle et on verra ça après. On va surveiller ça de près. Kevin Constantin, tantôt c'est Benoît, tantôt. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Voilà, avec différentes catégories, différentes classes. Nous avons un R5 et nous avons eu la chance vraiment de finir troisième de ce rallye de Lozère. Alors moi, j'ai ma famille qui est dedans depuis très longtemps. J'ai ma cousine qui a été officielle en championnat du monde des rallyes avec Sébastien Loeb à l'époque. Et moi, j'ai mon papa qui en faisait aussi dans les années 90, qui a eu un très grave accident et qui est resté tétraplégique, plus marcher, plus parler, plus bouger. Et donc c'est arrivé quand j'avais mes 10 ans et derrière on a repris un peu le flambeau. Moi je roule depuis 13 ans et Mathieu qui a beaucoup plus d'expérience que moi et bien meilleur que moi, j'ai eu la chance qu'il m'accompagne ce week-end. Ouais, moi pareil, hein, c'est mes parents qui en faisaient et comme Obélix, hein, je tombais dedans quand j'étais petit et... Il a moins grossi, hein. Région magnifique, des routes très typiques, très sinueuses, très dangereuses aussi parce qu'il y a des endroits où on a des ravins de 100 mètres où on peut tomber vraiment profond, mais c'est ce qui rend aussi le rallye fabuleux et la région fabuleuse. On a des paysages qui sont magnifiques, on a des routes magnifiques, les gens sont super accueillants, donc c'est pour tout ça qu'on aime les Cévennes. On évite de regarder le décor aussi dans la voiture. on se concentre plus sur la route que sur le décor. Mais en liaison, c'est le parcours qui nous relie d'une spéciale chronométrée à une autre, ce qu'on fait en course. Tout à l'heure, on a pris une route qui était magnifique. On passe dans de beaux paysages. Et on a le temps de regarder quand on roule pas très vite, donc c'est magnifique. Moi, j'aime bien marcher lentement parce que je sens mon corps qui respire à son rythme et j'aime pas me dépêcher. C'est pour ça qu'en groupe, ceux qui marchent très vite, souvent, ils sont un peu devant puis ils nous attendent de temps en temps. Et la lenteur, c'est qu'on peut voir les paysages, on peut entendre ce qui se passe. Quand on va vite, souvent, on est concentré sur son corps, sur l'obligation de marcher, sur sa respiration, et on ne voit pas les choses. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Mais la nature, oui, ça m'apporte aussi du calme, et puis un effort physique aussi, parce que quand on marche toute la journée, c'est quand même un effort.
c'est un sport qui est prenant et qui n'est pas commun. Et quand on va à 200 entre des arbres, c'est tout un autre monde. Ouais, c'est vrai. Voilà, y a, c'est, en plus, c'est un, on va dire qu'il y a la mécanique aussi, mais c'est vraiment un combat contre soi-même. C'est nous qui devons courir contre le chronomètre, donc un combat contre soi. On dit souvent que les pilotes de course, ce n'est pas des sportifs. Mais bon, il faut garder une condition physique. Il faut savoir qu'on prend quand même de gros jets comme dans les avions de chasse. Voilà, des gros freinages, des gros appuis à droite, à gauche, sur les routes comme ici. Pour vivre sa passion, il faut l'avoir dans les tripes. Et une fois qu'on l'a, c'est inexplicable. C'est vraiment quelque chose qui vous prend au cœur et aux tripes. On s'arrête, on faut prendre son temps. Sinon, si on passe sans rien regarder, c'est pas la peine. Il faut quand même prendre son temps. Enfin, moi, je marche. Ça dépend, moi, je marche des fois vite, mais après, des fois, je prends mon temps, je m'arrête. Je vais avec mon chien, je me pose, et puis je repars. Voilà. Il faut savoir s'arrêter dans la nature.